Bonjour à tous, dimanche 12 décembre, j'ai mis pour la première fois, parce que je l'ai lavé forcément, le nouveau petit haut qui fait plaid, enfin qui fait plaid, j'ai fait ça. Par contre, faudrait lui donner un nom, parce que l'autre c'était Serge Lama. Francis Lorraine. Ça rime pas du tout. Aujourd'hui, bah, comme je vous ai dit, en fait, tout ce que j'ai été chercher hier, je dois faire un petit emballage personnalisé avec la petite carte, le sticker, donc ça va me prendre pas mal de temps, je veux m'avancer aujourd'hui. J'ai également les bordereaux d'envoi à traiter, c'est-à-dire à faire toutes les adresses, parce que je peux pas le faire trop tôt, parce qu'avec la poste, si tu le fais trop tôt, ils sont plus valables. Donc là, j'ai fait une estimation par rapport au moment où je vais envoyer, où je pense envoyer. Même si j'attends dernier délai mardi, les dernières choses, je croise les doigts, mais logiquement c'est bon. Il n'a pas vu Eric. Francis. Attends, je me mets bien. Chérie, qu'est-ce que tu penses? T'as piqué le pyjama de ta nièce? Je préfère même pas répondre. Petit point calendrier de l'avant de ma maman, parce que je vous avais dit, mais je vous ai pas montré la dernière fois, c'était même pas hier, c'était avant-hier, le petit pochon pour mettre des savons. Je vous ai même pas mis la photo parce que c'est quand même très 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 mignon, donc je vous la mets ici. Et comme je vous ai dit, j'avais rajouté un petit savon. Aujourd'hui, elle a eu une deuxième housse de coussin, la même. Je trouve que c'est sympa par deux, qui était en velours un peu gris, qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, elle était contente d'avoir les deux. Voilà, pour le moment. Avant de commencer à faire tous mes petits emballages, il faut que je finalise une vidéo que je vais publier, je pense, cette semaine. Donc c'était une vidéo qui va être un crash test sur 15, presque 3 semaines. Et là, je termine. Donc vous retrouverez peut-être cette tenue, ce cadrage, c'est normal. Donc je fais ça et après, je fais mes petits emballages. Alors, ça je peux vous montrer, hein, ce sont les papiers de soie. J'aime bien quand les je reçois, ils sont joliment présentés. Pour faire, comme je vous dis, les emballages des petits cadeaux, les stickers, les cartes de visite, tout est là. Et c'est parti. Il est 13h, je vais faire une petite pause. J'ai quand même avancé, pas autant que j'aurais voulu. J'en suis même pas à la moitié, loin de là. Mais c'est pas grave, je me suis quand même avancée par rapport à demain. Je crois que ça va être ma tenue du jour, franchement je suis trop bien là-dedans. J'allais dire on va pas sortir, mais si, on a dit qu'on allait grosse sortie. Hein. Tenez-vous prêts, on va aller à la boulangerie chercher du pain pour demain matin. Et voilà. Allez, à la soupe. 13h14 quand même. Ça passe très vite. Chez toi, tu es là. Il vient de faire un bond. Descends, Jack. Allez, sur ta place. Ici, dépêche-toi. Voilà. T'entends ton père qui s'agace avec son jeu? Il m'a engueulé. Il m'a engueulé, Eric. Parce que lui, il a déjà mangé et j'ai pas pu. Je lui ai dit que je pouvais pas manger avec lui, j'avais pas le temps. Ça vous dit, on se met un peu de feta dans la soupe? Ça peut être cool avec les croutons. En même temps, je mange que ça, donc ça va. Il y en a une d'entre vous qui m'a... Parce que je lui ai dit que je faisais un traitement... Enfin, j'ai dit dans une vidéo que je faisais un traitement de vitamine D depuis un mois et demi et ça va durer 3 mois. On m'a dit, ah, c'est quoi que tu fais comme vitamine D? Bah, c'est ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, 3 petites gouttes le matin. Voilà. Un petit bout de feta. Alors non, maman, elle a pas sorti le poulet ce midi. Non, désolée. J'ai mangé en... 6 minutes même pas, chrono. J'y retourne. Pourquoi t'es déçu par mon attitude? Quoi? Il veut que je reste avec lui pour regarder ça. Non mais 2 minutes pas plus, j'ai pas le temps. Hein. Je voulais passer un moment avec toi. Oui, mais est-ce que t'as conscience du coup? Tu as vu ce que j'ai à faire? Je sais que c'est dimanche, je n'ai pas le choix. Eh ben j'ai pas le choix. Non, après je vais me mettre dedans. Tu vas te mettre dedans? Non, je suis toute seule à bosser, bébé, j'ai pas d'aide. Ça change, mais bon. Bref, alors qu'est-ce qu'on... C'est quoi? C'est le tour de quoi? Eh ben c'est la Coupe de France GT en cyber semi. D'accord, et ben tu vas avoir une belle après-midi, toi? Non, parce que j'ai pas le temps, j'ai des devoirs à faire. C'est vrai, t'as des cours à préparer? Bah oui, j'ai un métier. Il n'y a pas que toi qui bosse le dimanche. Mais non, mais regarde, ça c'est le tracé du circuit. Oui, je vois. Ça, c'est le tracé du circuit aussi. Pour cette Coupe de France, on va encore passer une très très belle journée. Ça c'est vrai. Il a une tête de champion, le gars, là. C'est bien de savoir qu'il est physiquement. Mais je me moque pas, c'est qu'il est au taquet, il est à fond dedans. Quand on dit une tête de champion, c'est pas pour dire qu'il est au taquet, il est à fond dedans. C'est pour dire qu'il a une tête de champion. Tu ne respectes pas. J'ai dit quoi? Paris, sur un jeu vidéo. Alors que ça n'est pas un jeu vidéo, c'est un sport électronique. Et je sais que quand on rajoute électronique à sport, on dirait que c'est plus du sport. Les échecs, c'est un sport. Le golf, c'est un sport. La Formule 1, c'est un sport. Un incontournable dans le paysage du cyclisme. Le sport, c'est pas forcément un mec qui cavale en short et qui s'en va se faire. Incroyable pour la communauté francophone, c'est là où on voit les vrais talents, les bien sûr. Par contre, tout à l'heure, on ira chercher notre petit pain.
pendant la Coupe de France. Mais oui, tu m'as dit que tu avais du boulot, tu avais des. Et oui, il y a un contrôle à faire. Déjà que j'ai du boulot, c'est pas, je peux pas regarder ce truc-là. Bon, et j'y vais, je monte, je suis désolé, faut que je fasse les bordereaux. Non, tu restes 2 minutes avec moi, tu me l'avais promis. Alors, je vais vous. Ouais, bon, voilà. Mais t'as quel âge? C'est bien. Et alors, ton anniversaire des 13 ans, c'est bien passé? T'as fait une boum avec tes copines? Ça vous dit, je vous montre des petites merveilles. Regardez-moi ça, ces boîtes. Et dedans, c'est des petites confiseries, on a des chocolats. Qu'est-ce que tu fais comme cinéma? Regardez ça. En fait, c'est un poudrier. Il parle fort, le monsieur. C'est un poudrier. Donc, comme... Mais arrête ton cinéma! Je me suis fait mal! J'ai failli taper Jack tellement tu fais du cinoche. Regardez les petites boîtes. Alors, dedans, c'est des pétales de différents chocolats. C'est une merveille. Des boîtes comme ça, avec des petits anges. Ça, c'est trop bon. C'est des petites boules chocolatées croquantes. En plus d'être beau, c'est bon, mais... J'ai reçu plein de choses pour goûter, déguster et peut-être valider. Il y a plein d'autres petites merveilles comme ça, notamment avec des petites boules chocolat, des trucs trop bons. Bah, tu m'as demandé de rester. Je peux même pas vous les montrer parce qu'on a tout dégommé tellement c'était bon. Et... Et... Tu peux me donner un carré de chocolat noir, tu vois? Oui. Portez-vous. Je suis assise. Et il y a des chances que ce soit bientôt dans une des... Enfin, c'est top. Bon, ça coûte un certain coup. Ah, mais, regarde, c'est une liste. Trop beau. Et les boîtes sont magnifiques. Alexandre Arthur Morin, Baptiste. Ils vont taper Clément Buzelin, Enzo Peugeot. Franchement, je lui donne son chocolat et je file. Il est 4 heures, je suis retournée au boulot, là je suis en train de faire m'avancer pour les bordereaux. Hop, parti. Il est 4h16, Eric a dû m'appeler. Tu m'as appelé combien? 20? 28 fois? 38 fois? Non, mais c'est dimanche, excuse-moi de... Non, mais là, je sais pas comment te le dire. Non, mais vraiment, là, t'es en train de me monter une pression. Je t'aime, mais s'il te plaît, je te jure, déjà, moi-même, je mets une pression. Mais si tu me rajoutes en me disant, descends, arrête, t'auras le temps. Non, j'ai pas le temps. Tu m'as dit tout à l'heure, nous irons goûter ensemble. Oui. Tu m'as dit ou pas? Oui. Bon, maintenant, il est l'heure, parce que moi, j'ai autre chose à faire que de me plier à ton truc, donc... Mangeons notre petite banane. Non, mais t'es pas obligé. Tu me dis pourquoi t'as éteint? Parce que là, on voit rien. Laisse allumer pour vlogger, c'est mieux. Hein. S'il te plaît. Sans Versailles. Hé, d'ailleurs, il faut qu'on aille chercher le pain. Oui, bah, bien. J'aurais pas. Ça sera pas avant 6h30 hein, pour moi. Donc, ça va être simple, ça va être petite banane, jus chantilly et puis les petits trucs et voilà. Parce que le chocolat chaud. C'est pas très grave que j'ai rien à déjeuner de ma femme. Non, on va y aller. On va y aller, mais on va y aller une fois que tout est publié. Et ben bah, alors j'irai toute seule. Non, allez. Tiens, ta petite banane et la chantilly, ça, c'est bon. Ça baisse quand même très vite la luminosité en ce moment. Je vais allumer. Essayez de pas tout faire tomber. Hop, voilà, c'est pas la lumière de fou. D'ailleurs, il faudrait que je me mette un plafonnier, j'arrête pas de le dire, mais bon. Hop. Je continue bordereaux en priorité. Si je veux parler avec vous. Ouais. Bon, c'est quand même mieux. Bon, petit bilan de cette journée. Une journée de dimanche où on n'est pas sorti, il s'est pas passé des trucs de fou parce que vous avez vu, hein, je vais pas refaire la journée, j'ai bien bossé. Je vais bosser je pense jusqu'à 19-20 heures et puis après je vais manger et demain matin je reçois plein de choses et je vais pouvoir continuer à faire ce que je faisais là. Il y a un autre truc à faire quand je vous dis des petites choses minutieuses à préparer. Et mardi, j'espère que je peux tout faire. Enfin, tout commencer, parce que je pense que vu toutes les commandes qu'il y a eu, ça veut dire mardi et mercredi.
Pour en revenir, j'en profite parce qu'ici, je sais que vous êtes beaucoup quand même à me suivre. Effectivement, donc, bah, vous l'aurez compris, hein, la box de Noël, les commandes, donc, c'est terminé depuis le 10 au soir. On est donc passé à la box de janvier, la box de la nouvelle année. Une box qui va être, bah, finalement, comme je vous ai dit, toutes les prochaines box, je veux qu'il y ait quand même un univers particulier, je veux qu'il y ait des découvertes, je veux que vous soyez surpris. C'est vraiment vers quoi je tends. Et bah, j'ai tellement hâte déjà que vous découvriez votre petite box de Noël, parce que j'y ai mis tout mon cœur, j'ai fait une chouette sélection. La box, donc, c'est La Sublime, vous me direz si elle porte bien son nom. Je vais arrêter maintenant si je veux continuer à faire ce que j'ai bien commencé, et vous dire, pour le coup, je ne suis pas certaine. Vous verrez bien, mais c'est... Demain et après-demain, ça risque d'être show time pour moi. Je vais voir. De toute façon, j'ai une vidéo à faire, le test que j'ai fait, le crash test que j'ai fait sur 15 jours, 3 semaines. Donc ça, faut que je la monte déjà. Il faut qu'il y ait approbation de la marque, qu'elle me valide ou pas. Même si, ouais, on verra bien. Et bah, je vous retrouve très très vite. Peut-être demain, hein. C'est possible. Qu'est-ce que tu traînes là, bonhomme? Tu fais quoi? Tu es triste? Bon, bisous à tous. Ciao.